On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir le thé dans les Soca Amman. On ira nager. Coucou! Une petite vidéo parce qu'on m'a demandé sur Facebook de la faire, donc je m'exécute. J'ai posé hier des petits patchs de la marque B-Simply, de la marque Simply Boy Beauty. Donc c'est des nail patchs comme ceci. C'est des nail patchs que j'avais eu avec un magazine, je sais plus si c'est Public ou Closer. Voilà, ils sont vraiment très jolis, j'avais vraiment flashé dessus, je trouvais ça très sympa. Donc, ils disent que c'est des nail patchs longue durée, donc vernis auto-adhésif tendance et facile à appliquer. Longue tenue, une semaine. Alors, moi, ce que... Déjà, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, vous avez une petite, une petite pochette. Dans la pochette, vous avez bien sûr les patchs à choisir en fonction de la taille de vos doigts. Et vous avez derrière une petite lime à ongles. Donc le mode, la technique de pose, on nous dit de prendre un petit nail patch, vous l'enlevez, vous le décollez, vous le posez sur votre ongle et vous tirez pour enlever le superflu et ensuite vous limez. Bon, voilà la technique de pose. Et une fois que vous avez fait ça, vous appuyez bien pour coller le patch. Moi, ce que j'en ai ressenti à la pose, donc j'ai posé mon patch sur mon ongle, j'ai posé mon patch. Et au moment où j'ai voulu tirer, le drame est arrivé. C'est-à-dire que ça ne se coupe pas. Alors, je ne sais pas s'il faut avoir des ongles en acier style lime pour arriver à les couper. Je n'en sais rien. Toujours est-il que moi, j'avais beau tirer, le patch ne se découpait pas. Donc, j'ai pris le système coupe-ongles. Donc, j'ai pris mon coupe-ongles et je suis venue couper le plus proche possible de mon ongle sans couper mon ongle pour dire que ça fasse... voilà. Et ensuite, j'ai pris la lime et j'ai limé les petits bouts qui dépassaient. Donc déjà, au niveau de la pose, je ne suis pas d'accord avec leur système de couper directement. Ensuite, au niveau de la pose, pour mes deux mains, j'ai mis 25 minutes. Donc, c'est pas forcément beaucoup plus rapide que de se mettre un vernis. On est bien d'accord? Sinon, au niveau du rendu, moi je trouve que c'est vraiment très joli. Hein, j'ai rien à dire là-dessus. C'est plutôt très joli, même au niveau des pouces. Hein, je trouve ça vraiment assez sympa. Voilà. Le rendu est plutôt joli, il faut l'avouer. Voilà. Au niveau de la tenue, je les ai posés hier. Il devait être 15h ou 15h30. Là, on est jeudi. Donc, je les ai posés mercredi. On est jeudi, les 12h41. Vous voyez qu'ils sont toujours tous en place. Donc, déjà, je suis assez contente. Je me suis lavée hier soir. Je me suis lavée ce matin. Sans laver mes cheveux ce matin, je précise. Donc j'ai pas encore fait de lavage de cheveux avec. C'est ça qui me fait un peu peur. Donc sinon je me suis lavée ce matin, hier soir. Je me suis lavée les mains plusieurs fois. J'ai même fait la vaisselle hier. Tout est toujours en place. Par contre, dans la notice, eux, ils ne disent pas de mettre un top coat. Quand j'en ai parlé sur Facebook, Peggy Makeup, si tu passes par là, je te fais des bisous, a dit qu'elle mettait un top coat. Donc, j'ai suivi son conseil et j'ai mis un top coat. J'ai mis celui que j'utilise actuellement, c'est le Double Duty Base et Top Coat de chez Sally Hansen. Donc à première vue, lui, il ne fait pas du tout rétracter les trucs, il n'y a aucun souci. Donc j'en ai mis après la pause hier, environ une heure après la pause, quand j'ai lu ce que Peggy avait mis. Aucun souci, j'avais un léger décollement hier soir au niveau de cet ongle-là. J'ai repris mon top coat, j'en ai mis un peu en dessous, j'ai collé mon truc et ça n'a pas bougé. Ce matin au réveil, ça n'avait pas l'air d'avoir bougé. Donc pour l'instant, tout va bien. Après une semaine, j'ai un peu de doute parce que, vous voyez, regardez. Celui-là, il se relève un petit peu. Donc, je pense que je vais repasser un coup de top coat pour dire, voilà. Voilà, donc je sais pas, franchement, je pense pas que ça tienne une semaine. En tout cas, pas sur mes ongles. Je sais pas si quelqu'un les a déjà fait tenir une semaine, mais sur mes ongles, c'est certain, ça ne tiendra pas une semaine. Ça, j'en suis certaine, puisque... Si j'y vais par là, celui-là, il se décolle. Et si je fais rien, ça va partir en cacahuète. Donc, j'espère les garder au moins jusque ce week-end. Hein, je verrai bien. J'ai vu qu'il y avait des petits décollements aussi au niveau des petites choses-là. Après, je pense que ça peut être une très bonne alternative pour une soirée. Pour avoir des ongles vraiment originaux. Voilà.
Mais au-delà de ça, rien ne vaut le vernis, parce que l'air de rien, ces petits trucs-là, bon, ceux-là, je les ai payés 3 euros, je crois, il me semble, avec le magazine. Mais en général, ça vaut quand même dans les, allez, entre 7 et 11 euros, ces petits machins-là, pour une pose. Donc, franchement, parce que 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il en reste bien 10, il y en a 20 dedans. Mais le souci, c'est que ben, ils sont pas adaptés à ma taille d'ongle, donc ceux-là, je n'en ferai rien. C'est bien là le problème, c'est que ceux-là, ils sont pas adaptés à mes ongles. Donc, oui, voilà, donc franchement, je trouve ça un peu cher pour en mettre régulièrement. Après, je ne dis pas que je n'en rachèterai pas juste pour une soirée. Un petit truc sympa, une soirée originale où je vais avoir des ongles plutôt sympas, pourquoi pas. Mais je n'en porterai pas au quotidien, je préfère largement mes vernis, même si c'est moins original, on va dire. Voilà. Donc en tout cas, aujourd'hui on est jeudi, j'essaierai de vous filmer un petit truc demain midi pour vous montrer dans l'état dans lequel ils sont. Et puis je vais vous faire un petit topo comme ça au fil des jours jusqu'à temps que je les enlève, je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, en tout cas. Des bisous à tous et à demain. Coucou! Donc, je vous fais la pose des stickers à J plus 2. Donc voilà, au bout de 2 jours, ils sont toujours en place. J'ai pas remis de top coat du tout aujourd'hui. Il y a quelques petits décollements, mais vraiment très légers. Comme là au niveau du bord du petit ongle. Mais c'est vraiment très léger, ça se voit pas du tout. Sinon, le bout commence à s'user, mais comme un vernis normal, je dirais. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis toujours contente. Voilà, donc bah, on se retrouve à J plus 3 pour les infos. Bisous! Alors, J plus 3, voilà les ongles. Comme vous pouvez le voir, j'ai celui-là qui part un peu en cacahuète. Mais sinon, en général, la tenue est quand même plutôt bonne. Voilà. À demain. Coucou. Donc on se retrouve à J plus 4 pour ces fameux patchs. Donc ils sont encore en place. Rien n'est décollé comme vous pouvez le voir hein, sur tous les ongles. Le bout commence vraiment à s'élimer sur certains, comme un vernis basique. Je commence à en avoir un peu marre, je vous l'avouerai. Donc je ne sais pas si je vais tenir encore jusque mercredi, je verrai bien. En tout cas, j'en suis super contente parce que ça tient vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Coucou! Donc, petite vidéo rapide parce que pour conclure la vidéo de la pose de stickers que je vous avais fait. Donc là, aujourd'hui, on est lundi. Donc, ça va faire mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ça fait 5 jours que je les ai sur les ongles. Je vous laisse voir, hein. Mise au point, voilà. Donc vous voyez, là il y a des petits accros, là aussi, celui-ci aussi. Voilà. Voilà, voilou. Les pouces, ils sont plutôt bien. Celui-ci, il en manque un bout. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Mise au point. Voilà, celui-ci, il en manque un bout. Voilà, donc. Je dirais que c'est l'usure normale, même un vernis fait pareil, donc voilà. Sinon, en général, je suis plutôt contente. Je pensais pas que ça tiendrait aussi longtemps, je l'avoue. J'ai mis du top coat le premier et le deuxième jour, c'est tout. Donc voilà, j'ai pas remis de top coat après. Voilà, donc j'en suis vraiment très très contente, ça tient vraiment super bien. Le tout maintenant, c'est de les enlever. Donc bah, on va essayer, hein, on verra bien ce que ça donne. Je vais tenter avec vous, tiens. Donc j'ai soulevé un petit peu. Hop, et voilà. Et l'ongle en dessous, ouais, il y a un petit peu de colle, je dirais. Mais je vais passer un petit coup de dissolvant et je pense qu'il n'y aura pas de souci. On va essayer un de l'autre côté. Hop, je vais vous le montrer, ce serait plus simple. Mise au point. Voilà. Hop là. Voilà. Donc vous voyez, là on voit bien qu'il y a un petit peu de colle, mais un petit coup de dissolvant et le souci sera réglé. Les ongles en dessous ne sont pas abîmés, ils n'ont pas l'air abîmés en tout cas. Donc voilà. Donc je vais tous les enlever. Je reviens juste après avec pour vous dire si ça a abîmé ou Donc pas me mon ongle. revoilà après avoir
enlever tout et puis passer un petit coup de dissolvant sur mes ongles. Comme vous pouvez le voir, mes ongles sont nickel. Il n'y a aucun souci, la colle est partie vraiment super bien au dissolvant, il n'y a vraiment aucun souci. Mes ongles sont comme avant, ils n'ont pas été abîmés du tout. Bon, j'ai un petit coup de lime à passer au bout, mais c'est comme quand on change de vernis, hein, faut toujours relimer un petit peu ses ongles. Donc voilà, il n'y a aucun souci, franchement. Moi, j'étais un peu réticente avec ces patchs, et là, je trouve que j'en suis super contente. Je pense que je retenterai l'aventure sur d'autres patchs qui me plaisent au niveau des couleurs, pourquoi pas. Pas forcément... Faut avouer que ces patchs sont pas toujours donnés, donc c'est vrai que voilà. Mais je crois que j'en ai un petit peu en stock, donc je pense que je pourrais retenter l'aventure, il n'y a pas de souci. Sur d'autres marques, pourquoi pas, essayer un petit peu. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir des décos sur les ongles qui sont pas, qu'on peut pas forcément faire tout seul à la main. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de tester ces patchs ou pas. Moi, j'en ai été très contente et je vous les recommande, voilà, tout simplement. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous! On ira écouter Harlem.